Amen. Alors, sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Souleymane Bakayoko. Il est marié, père de 3 enfants, Ézéchiel, Michée et Éphraïm, tous des prophètes et des patriarches. Que Dieu vous bénisse et transmettez-nous tout ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Merci. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je saisis l'occasion pour dire encore merci à mon frère et ami, le pasteur Ndiaye. Merci à sa charmante épouse. Et nous sommes des frères. Et un homme qui est passionné de Dieu, qui est à la soif de Dieu, c'est comme ça que je l'ai connu. Et voici les preuves. Quand on trouve un homme qui a la soif de Dieu, alors Dieu fait de grandes choses avec cette personne. Et je sais que Dieu a encore de plus grandes choses à faire avec le pasteur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez la salutation des frères et sœurs de l'église ivoirienne et de mon épouse. Le pasteur m'a dit d'apporter la parole ce dimanche. Et comme nous sommes un dimanche de Pâques, alors nous allons réfléchir sur quelques vérités liées à la Pâques. J'ai donné comme thème à mon message la Pâque du Seigneur. La Pâque du Seigneur. Dans Exode chapitre 12 et à partir du verset 1, je vais faire une lecture un peu longue. Exode chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette nuit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Pâque du Seigneur. Le mot Pâque, selon le dictionnaire biblique Emmaüs, est dérivé d'un verbe hébreu pesa, qui signifie passer outre. Passer outre dans le sens d'épargner. Dieu, pour contraindre Pharaon à laisser partir son peuple, qui a passé plus de 400 ans comme esclave en Égypte, va effectivement envoyer cette 10e plaie qui permettra au peuple de sortir de l'Égypte. Et pour que Israël soit épargné de cette plaie, épargné de ce jugement,
Alors il va falloir immoler un agneau et suivre les prescriptions que Dieu donnera. Et il est dit au chapitre 12 que nous avons lu et le verset 13, le sang vous servira de signe. Sur les maisons où je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est ça la Pâque de l'Éternel. La Pâque devait être un mémorial. Un mémorial de la libération d'Israël. Dans Exode chapitre 13, verset 8, il est dit, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Le monde appelle cette fête la Pâque des Juifs. Mais quand nous lisons dans la Bible, il est question de la Pâque de l'Éternel. Au verset 11 du chapitre 12 que nous avons lu d'Exode, il est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Dans Lévitique 23, verset 5, il est dit, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque n'était pas une célébration ordinaire. Mais c'était une célébration que Dieu lui-même a voulu et a demandé à Israël de le faire. Les normes de cette fête, n'est-ce pas, étaient fixées par Dieu lui-même. La fête était célébrée en l'honneur de Dieu. Parce que c'est lui qui a initié la Pâque. Et la Pâque était le symbole de la délivrance du peuple de Dieu. Et 17 fois dans ce chapitre 12, il est fait mention de l'Éternel lié à la Pâque. Il dit ceci que c'est l'Éternel qui était au contrôle. C'est lui qui était en charge. C'est la Pâque de l'Éternel. Parce que cet événement était la préfiguration de la grande délivrance que Dieu opérerait pour l'humanité. Et Paul, quand vous lisez ses écrits, parlant de la Pâque, il dira ceci, Christ, notre Pâque. Pour dire que cette œuvre qui s'est accomplie, qui devait être rappelée, doit nous amener à comprendre quand Christ trouve son parfait accomplissement. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et s'il y a une raison pour laquelle nous fêtons la Pâque, c'est parce que la Pâque annonçait un événement que nous, Église de Jésus aujourd'hui, avons vécu cet événement. Nous avons bénéficié, n'est-ce pas, des retombées de cet événement. C'est-à-dire Dieu a envoyé son Fils unique qui est mort à la croix, qui est ressuscité, n'est-ce pas, et qui nous donne une espérance glorieuse, dit Amen. Et dans ce texte, nous voulons retirer trois vérités essentielles liées à la Pâque. La première vérité que nous tirons du chapitre 12 d'Exode, c'est que la Pâque a permis à Dieu de révéler sa grande puissance. La Pâque a permis à Dieu de révéler sa grande puissance. Pharaon avait sous-estimé la puissance de Dieu. La Pâque est la dixième plaie. Mais avant la dixième plaie, il y a eu d'autres plaies. Et pendant tout ce temps, Pharaon contestait contre cette puissance de Dieu. Il faisait appel à ses magiciens. Il faisait appel à ses devins pour s'opposer à la puissance de Dieu. Mais lors de cette dixième plaie, qui était la mort des premiers-nés de l'Égypte, même des bêtes, par la célébration de la Pâque, Pharaon va capituler et va reconnaître que le Dieu d'Israël est le Tout-Puissant. Alléluia.
La Pâque révèle la puissance de Dieu premièrement pour juger les dieux égyptiens. Dans le verset 12, toujours de ce chapitre 12, il est dit ceci: j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et dans Nombre 33, verset 4, il est dit: et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre les dieux égyptiens. Vous voyez, quand la Bible parle de la mort des premiers-nés, la Bible lit cet événement au jugement que Dieu a prononcé, n'est-ce pas, contre les dieux égyptiens. Vous dites ceci, que ces dieux égyptiens n'ont pas pu préserver ce que les Égyptiens avaient de plus cher, de plus précieux, leurs premiers-nés, que ce soit des hommes comme des animaux. Leurs dieux n'ont pas eu la capacité de préserver cela. Parce que Dieu, qui est au ciel, l'Éternel, a révélé sa toute puissance, n'est-ce pas, et a jugé ces dieux-là. Il a montré à toute l'Égypte que vous adorez des idoles et que ces dieux n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance, mais ce sont des idoles qui sont animées par toutes sortes de démons. Mais ces idoles seront dévoilées, seront exposées, et vous saurez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Jéthro a rendu le témoignage. Dans Exode chapitre 18, verset 11, il dira ceci: je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Un sacrificateur païen, beau-père de Moïse, mais il dira: je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux-mêmes. Frères, sœurs, toi qui es là ce matin, s'il y a un Dieu en qui il faut croire, c'est l'Éternel Dieu. S'il y a un Dieu qu'il faut suivre, c'est l'Éternel Dieu. S'il y a un Dieu qu'il faut servir, c'est l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et ça a été le témoignage du peuple au temps d'Élie. Quand ils ont vu la toute puissance de Dieu, quand le feu est descendu du ciel devant les prophètes de Baal et de toutes ses idoles, ils diront dans 1 Roi chapitre 18 verset 39: quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et la Pâque révèle la puissance de Dieu pour juger les idoles. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu me dit de te dire que c'est en l'Éternel que tu dois mettre ta confiance. Si ce matin l'Éternel n'est pas ton Dieu, il faut qu'il soit ton Dieu. Et s'il est ton Dieu, alors accroche-toi à lui et confie-toi entièrement en Dieu. Parce que sa toute puissance suffit, n'est-ce pas, pour te garder, pour te protéger et pour t'ouvrir des portes inimaginables. La Pâque, c'est Dieu qui révèle sa puissance pour marquer la différence entre son peuple et ceux qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Versets 6 et 7 du chapitre 12 nous dit ceci: il y aura dans tout le pays, Exode chapitre 11, versets 6 et 7, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y a eu point eu et qu'il n'y en aura de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Le peuple de Dieu, Israël, est un peuple mis à part. Et aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église. La Bible dit que nous sommes l'Israël céleste. Nous sommes un peuple mis à part. Quand on lit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'Église est le peuple de Dieu. Et Dieu fait une différence nette entre son peuple et ceux qui ne l'adorent pas, que ceux qui ne le connaissent pas. Peu importe le nom de ceux-là qui représentent le peuple de Dieu. Frères et sœurs, quand nous vivons dans un pays à fort pourcentage musulman, des fois cela risque de nous intimider et intimider notre foi, mais nous devons comprendre qu'une majorité sans Dieu est une minorité et une minorité avec Dieu est une majorité. Il faut marcher fièrement. Parce que le Dieu que tu adores, c'est l'éternel Dieu. Et il fait la différence en ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Peu importe le nombre. Église sénégalaise, tu n'es pas nombreuse, mais tu es l'église du Dieu vivant. Tu es le peuple mis à part pour servir ce Dieu-là. Tu dois être fier et tu dois marcher fièrement. Et c'est ce que la Bible nous dit dans ces deux textes que nous avons lus. Quand nous voyons la terminologie utilisée, il est dit, afin que vous sachiez, le peuple de Dieu ne doit pas être ignorant sur ce qu'il est. Nous sommes le peuple de Dieu. Ceux qui ont été choisis par Dieu, ceux qui ont été distingués par Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Et nous devons le savoir, connaître notre identité. Et en connaissant notre identité, alors nous nous comportons comme tels. Il faut une prise de conscience du peuple de Dieu. Et cela va nous amener à deux choses. Cette prise de conscience nous amène à comprendre, à savoir qui nous sommes, et nous amène aussi à rendre témoignage de ce Dieu à qui nous appartenons. Alléluia. Troisièmement, la Pâque, c'est Dieu qui révèle sa grande puissance pour témoigner du pouvoir qu'il a sur la mort. Il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, au verset 23 du chapitre 12, et verra le sang sur le linteau, sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas. Parce qu'il verra le sang. Alléluia. L'ange de la mort verra le sang. Et il ne lui sera pas permis de frapper l'un des Israélites parce qu'il verra le sang. Mais pour dire que le Dieu que nous adorons a le pouvoir sur la mort. Et c'est ça la Pâque. Et c'est la raison pour laquelle Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Et quand nous parlons de la Pâque, nous parlons de la résurrection du Christ. Mais avant qu'il soit ressuscité, il est d'abord mort en sacrifice pour nos péchés. N'est-ce pas? Et il est ressuscité parce qu'il a le pouvoir sur la mort. La mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Et 2 Timothée chapitre 1, verset 10 nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Christ a détruit la mort et il a mis en évidence la vie, n'est-ce pas, par l'évangile qui est la bonne nouvelle. Désormais, il y a la possibilité de la vie éternelle, mais c'est en Christ que cette possibilité est donnée. Et la Pâque, c'est l'espérance que Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient en Christ. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité, nous avons aussi l'espérance que le jour vient où les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui sont vivants restés pour ce jour-là seront transformés et enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ça la Pâque. Jour de résurrection. Jour d'espérance. Jour de victoire. Et Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55.
Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le contexte nous montre que la victoire que Dieu donne, c'est la victoire sur la mort. Parce que Christ a mis en évidence la vie éternelle par l'évangile. Alléluia. Quelle espérance. Quand Matt, devant le tombeau, était désemparé, elle ne savait que croire. Jésus lui dit, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Alléluia. Tu ne sais pas un petit Jésus. Tu ne sais pas un petit Jésus. Et la Pâque est là pour te rappeler que Christ a la puissance sur la mort. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Nous avons une espérance en tant que peuple de Dieu. Et c'est la première vérité. C'est que la Pâque nous révèle la grande puissance de Dieu. Deuxièmement, la Pâque a permis à Dieu de montrer sa fidélité à ses promesses. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3 verset 20, il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à son voisin ou à sa voisine et celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Et moi j'appelle cela mesure compensatoire. Dieu promet en disant à Moïse que je vais délivrer ce peuple. Mais ce peuple ne sortira pas esclave. Ce peuple ne sortira pas pauvre. Ce peuple ne sortira pas déshérité. Mais il y aura une mesure compensatoire. Je vais dépouiller ceux qui ont été vos maîtres et je vous donnerai leurs richesses et vous sortirez avec ces richesses. Ça, pour m'adorer. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu tient ses promesses. Et Dieu l'a fait. Il a fait sortir le peuple. Et la Bible dit qu'en faisant sortir le peuple, il a fait sortir ce peuple enrichi. Il a fait sortir ce peuple enrichi. Ce peuple qui n'avait pas de banque en Égypte. Ce peuple qui n'avait pas de réserve en Égypte. Ce peuple qui était esclave en Égypte. Mais il est sorti enrichi. Et les maîtres sont devenus les esclaves. Et les esclaves ont été enrichis par le bien des maîtres. Frère, c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu délivre une personne, quand Dieu délivre une femme, il enrichit d'abord spirituellement. Parce que la Bible dit qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Mais non seulement il nous enrichit spirituellement, mais il nous ouvre les portes afin que tout nous réussisse. Afin que tout nous réussisse. Juste avant de venir, j'étais dans une cellule pour saluer une famille. Et puis là, la famille m'a dit, ah, le pasteur, est-ce que tu peux nous apporter une parole du Seigneur? Et je leur ai dit, regardez le psaume 1. Il est dit, heureux, béni soit celui qui ne marche pas selon, n'est-ce pas, le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin, n'est-ce pas, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, qui ne s'assoit pas avec eux, etc. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Et j'ai dit au frère, est-ce que vous croyez que c'est possible pour nous? Que tout ce que nous fassions nous réussisse. Et chacun se regardait. Mais la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que quand Dieu est avec toi, il t'ouvre les portes. Même ce que tu penses être des échecs, pour Dieu, ce sont des étapes, ce sont des expériences qui te permettront d'aboutir au succès. Parce que Dieu avec toi, c'est la victoire, c'est la réussite. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Frères et sœurs, Dieu tient à ses promesses. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais tu n'es pas chrétien pour être malheureux. Si tu as la vie de Christ en toi, alors sois plein d'espérance. Et je bénis le Seigneur Pundjai qui a mis sur place le comité des travailleurs et qui initie des choses.
Parce que le succès ne va pas nous tomber du ciel. Mais la Bible nous dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et que ce que nos mains toucheront seront bénis. Voici ce que la Bible te dit. Ce que tu feras de tes mains sera béni. Et ce que ta main va toucher pour faire sera béni. Parce que toi-même tu es béni. Alors tu as besoin de faire quelque chose et t'appuyer sur Dieu pour qu'il bénisse ce que tu fais. Alléluia. Dieu tient à ses promesses. Il a libéré le peuple et il a enrichi le peuple. Et regardez jusqu'à aujourd'hui Israël, un peuple dans le désert, mais qui est enrichi, mais qui prospère. Alors qu'autour de lui, ce sont des ennemis, ce sont des hommes qui attendent, n'est-ce pas, une faille pour frapper. Mais Dieu est avec son peuple et il le fait réussir, même dans l'hostilité. Là où on pense qu'il n'y a pas de réussite, pour toi, il y aura une réussite. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être tu sors d'une famille qui ne réussit pas, mais parce que tu connais ce Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, il ne te fera pas sortir à vide, mais il va t'enrichir. Alléluia. Dieu qui tient ses promesses. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Voici pourquoi le psalmiste pouvait s'écrier dans le psaume 118, verset 25. Il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Parce qu'il sait que le salut de Dieu s'accompagne du succès, s'accompagne de la richesse, s'accompagne de la prospérité. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés pour être malheureux, mais nous sommes sauvés pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas Jésus de savoir que le Dieu que nous servons est vivant et qu'il bénit. Alléluia. Que son nom soit béni, ce Dieu-là. Et enfin, la Pâque véhicule cette vérité qui est la troisième, que Dieu est celui qui délivre son peuple. Dans le verset 37 du chapitre 12, il est dit, les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes à pied, sans les enfants. Et les théologiens disent qu'ils étaient 2 millions à 2 500 000. Ils ne sont pas sortis de nuit, mais ils sont sortis en plein jour, sans résistance aucune. Ceux qui s'opposaient à eux ont capitulé et ils ont pressé le peuple de sortir. Il est dit dans Nombre 33, verset 3, il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée et à la vue de tous les Égyptiens. Les Égyptiens ne dormaient pas. Mais c'est à la vue des Égyptiens que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Ils sont sortis à la vue des Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre les dieux égyptiens. Et la Bible dit quelque part qu'ils ont pressé le peuple de partir. Pharaon les a pressés de partir. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui délivre. Le psaume 105, verset 38 dit, les Égyptiens se réjouissent de leur départ. Regardez, comment on peut se réjouir du départ de son esclave? Comment on peut se réjouir du départ de sa servante? Comment on peut se réjouir du départ de son serviteur? Comment on peut se réjouir du départ de celui qu'on a payé à prix d'argent? C'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Sa grande puissance a permis au peuple de partir. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus dira au peuple, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je ne sais pas ce qui te retient, ce qui t'empêche de partir, ce qui t'empêche de progresser avec Dieu, ce qui t'empêche de t'épanouir dans l'Église, ce qui t'empêche d'avoir un témoignage dans l'Église. Mais j'aimerais te dire que la Pâque nous apporte cette vérité, c'est que l'Éternel est le Dieu qui délivre. Et Jésus dit que si le Fils te délivre, tu seras réellement libre. Mais pour que le Fils te délivre, tu dois t'approcher de lui. Tu dois lui apporter ta vie. Tu dois lui apporter, n'est-ce pas, ce qui te liait. Confesser cela au Seigneur. Et dis, Seigneur,
c'en est assez. Je suis fatigué de vivre cette double vie. Je suis fatigué de vivre cette vie d'hypocrisie. Je suis fatigué de vivre cette vie, n'est-ce pas, qui représente l'Église comme, n'est-ce pas, quelque chose d'irréel. Non, Seigneur, je veux bénéficier de la délivrance que tu donnes. Je veux bénéficier de cette liberté. Je veux être libre de servir Dieu, libre d'aimer ma femme, libre d'aimer mes enfants, libre de me marier, libre de prospérer dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est possible. Parce que la Pâque vécut cette vérité. Que le Dieu que nous servons délivre. Il a délivré Israël. Et ce matin, il est prêt aussi à te délivrer. Jésus a dit, libérez-le, déliez-le et laissez-le partir. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Et nous allons prier ensemble, Seigneur. Alléluia. L'Éternel, notre Pâque. L'Éternel, notre Pâque. L'Éternel, notre Pâque. La Pâque manifeste la grande puissance de Dieu. Puissance sur les idoles, sur les démons et sur toutes sortes d'influences et de puissances ténébreuses. La Pâque, c'est Dieu qui se révèle à nous pour nous montrer qu'il est un Dieu fidèle à ses promesses. Dieu t'a-t-il promis quelque chose? Des paroles prophétiques se sont prononcées sur ta vie, ont été prononcées sur ta vie, et jusqu'à là, pas d'issue. Mais sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de Dieu pour mentir. La Bible dit que ce qu'il a dit, sa main va l'accomplir. Sa main va l'accomplir. Et la Pâque est là pour te rappeler cela. Il a dit à Moïse, je vais libérer ce peuple. Et il ne sortira pas esclave. Mais il va sortir enrichi. Et il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Reste tranquille. Sois patient. On a présenté notre frère qui après plusieurs années aujourd'hui a fixé la date de son mariage. C'est possible aussi pour toi. C'est possible pour toi de fixer une date pour un événement qui t'est cher. Mais c'est avec Jésus que tu le feras. C'est en t'appuyant sur Jésus que tu le feras. Parce qu'il est fidèle en ses promesses. Alléluia. Et ce matin, ce que tu vas faire, c'est de dire à Dieu, je crois en ta toute puissance. Je crois que tu es fidèle et je veux m'appuyer sur toi. Je veux me confier en toi, Seigneur, pour voir ta toute puissance à l'œuvre dans ma vie et que ce qui était comme blocage soit débloqué au nom de Jésus. Parce que tu as dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Est-ce que tu peux lever la voix et prier ton Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et prier ton Dieu? Lui dit, Seigneur, je t'apporte ma vie ce matin. Je t'apporte ma vie ce matin. Je t'apporte ma vie ce matin. Je capitule devant toi, Seigneur, tel que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Secours-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. C'est la Pâque de l'Éternel. Là où tu manifestes ta puissance, Seigneur. Donne-moi de voir ta puissance à l'œuvre. Donne-moi de voir ta puissance à l'œuvre. Donne-moi de voir ta puissance à l'œuvre. Et que les idoles n'aient plus de pouvoir. Que les idoles n'aient plus de pouvoir. Que toute influence sur ma vie tombe. Que les oppositions tombent. Seigneur, fais-le pour moi, Seigneur. Ouvre des portes pour moi, Seigneur. Seigneur, tes promesses à mon égard, accomplis-les, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Ouvre une porte dans ma vie, Seigneur. Ouvre une porte dans mon foyer, Seigneur. Ouvre une porte dans ma famille, Seigneur. Fais le miracle, Seigneur. Fais le miracle, Seigneur. Fais le miracle, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, fais-le parce que cela est possible à toi, Seigneur. Ouvre tes portes. Ouvre tes portes. Oh baba baba baba. Rido de vos soto de vos chita risodre. Riba baba baba baba. Rido de vos soto de vos chita risodre. Riba baba baba baba. Rido de vos soto de vos soto de vos chita risodre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Visite ton peuple et apporte cette grande délivrance. Visite ton peuple. Et apporte cette grande délivrance. Visite ton peuple. Et apporte cette grande délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Et apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Sauve Éternel. Sauve Éternel. Sauve Éternel. Sauve Éternel. Sauve Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia.
Oh, hallelujah.